Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique, évidemment. Resident Evil 8 Village Shadows of Woes. Et on est parti, les Ombres de Rose, épisode 2. Comme d'habitude, 4K, 60 FPS. Plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. Et on y va, on va passer une bonne demi-heure ensemble. Ça va être juste exceptionnel pour des gens exceptionnels. Alors, non, j'ai pas besoin de save, j'ai pas besoin de save. Donc, la porte d'entrée était totalement verrouillée. D'ailleurs, ça fait rappeler énormément un petit peu les portes de Devil May Cry, premier du nom pour ceux qui se souviennent. On avait fait un petit peu tout le tour, j'avais un pistolet avec 9 balles. C'est pas fou, ça fait pas rêver, mais on l'a. Et donc, on est de retour dans le château de Resident Evil 8. On a quelque chose ici, il faut mettre une clé qu'on n'a pas. Pour avoir un fusil à pompe, donne-moi la voix, ou donne-moi la vérité, je ne sais pas, et on te guide par la voix, bref. Très bien, on a une chaîne, donc il faut, je suppose, une cisaille, je ne sais pas exactement, ou un coupe-chaîne, peut-être, ça s'appelle. Ah, hop, balle de pistolet, c'est bien ce que je pensais. Ok... Très très bien. Là, il n'y a rien. Oh la vache. Vous ferez attention, c'est une véritable boucherie ici. C'est quoi? Ah, ok. Ah, mon seul point faible. Ah, faut pas que... Attends. Oh la vache, j'utilise beaucoup trop de balles. J'oublie de savoir quand il meurt. Oh, quelle angoisse. Bon, j'ai tiré une fois à côté et j'ai tiré une fois de trop. Donc c'est mine de rien 2 balles de perdu. C'est très 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 chiant. Un coup de boulon, ça c'est bien. C'est verrouillé de l'autre côté. Très très bien. Oh là là, j'étais extrêmement mauvais. Souvenez-vous d'ailleurs de cette pièce, il y avait un truc de très très bien caché qui nous permettait d'avancer et on avait... galérer à le trouver. Oh putain, je me suis chié dessus. Over here! Ok. Ça devrait t'aider. Si tu veux te montrer utile, aide-moi face à ces choses. Je ne peux pas, forcément. Quoi? I can't! Donc, il faut que je me débrouille? Super. Ok, merci l'artiste. Ou devrais-je dire, papa? Allez, coupe boulon! Ça, c'est fait. Est-ce que je devrais pas plutôt aller checker dans le hall de là où on vient? On va le faire vite fait, ça met 2 secondes. Allez, 2 minutes maximum. Parce que j'ai pas pris le temps de fouiller ce hall. Hein, on était arrivé dedans, un petit peu comme des sauvages, on avait save. Et si ça se trouve, il y a des véritables dingueries. Genre là, par exemple. Pas du tout. Genre là, par exemple. Pas du tout. Genre là-haut, par exemple. Il y a moyen, hein. Ah ouais, il y a fort moyen. Non, il y a pas du tout. Ok, bon. Il y a donc un chemin possible. Mais on sait jamais. Si j'avais trouvé une petite boîte de munitions et tout, ça aurait été plutôt très 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 sympa. À savoir qu'il y a 3 trucs à mettre ici. Donc je suppose 3 boss. Mais ils vont se faire assez rapidement. Je crois que la durée de vie du... Enfin, la durée de jeu du DLC, c'est 3 heures. Voilà, c'est 3 heures, 3h30. Allez, 4 heures! Si on prend le temps de kiffer, de bien découvrir et tout. Ok, on n'a rien. Donc on va voir nous en combien de temps on le finit. Mais ça reste un petit DLC. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une sorte de masse dégoûtante s'est formée ici. J'ai pas envie de niquer une balle de pistolet pour ça, je vous avoue. Ok. Ok, ok, ok. Je peux encore rien faire. Alors. Ok. Le noyau. Tu parles de ce truc dégoûtant? Comment je vais détruire ça? Mes pouvoirs? Si je suis là, c'est pour m'en débarrasser! Ok. D'accord, mais...
Comment? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ça? Ok. La direction est toute trouvée apparemment. Trouver un amplificateur de pouvoir, donc on va passer par cette porte. Mais avant cela, on va quand même checker... Oh non, il y a trop de trucs. Attendez. Je viens de par là, c'est ça? C'est quoi ça? C'est fermé. Écoutez, je fouille tout. Hein. Là, il y a une sorte d'œil. Ok, il va falloir montrer quelque chose à cet œil. Bah écoutez, on va passer par la porte. Il n'y a rien de plus, rien de moins. J'ai checké là-haut, il n'y avait rien. Je me souviens plus trop. Je sais qu'à un moment, on arrivait dans la loge de Dimitrescu. Oh la vache. Ah ouais, mais ça, j'ai pas les pouvoirs encore. On est où, là? Eh, j'espère qu'on va pas retourner dans la maison Beneviento. Oh, ok, encore une sorcière morte. Très bien, de la poudre. Ok, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Alors, ok, fluide chimique. J'ai trouvé quelques mélanges utiles, planté fluide chimique et poudre noire et fluide chimique. Donc là, normalement, j'ai de quoi faire soit un heal, soit des munitions. Très bien. Mais j'ai déjà un heal, donc en vrai... Peut-être un boss ici, non? Ok. Ah. Ok. Oh, je les braine comme ça. Oh, je suis un monstre. Ok. On s'en bat les couilles, on trace. Je crois que j'ai été monstrueux. Je crois que j'ai été monstrueux. En fait... Oh merde, il y a quelque chose de l'autre côté. Je voulais pas tirer. Parce que j'ai trop peu de mun. Non, ça c'est de là où on vient. Et je me suis dit, on va taffer l'esquive. Et résultat, j'ai pas été touché. Je suis pas peu fier, on est toujours dans le vert. Je vais me refaire un soin. Et je peux me faire 8 munes. On se les fait. On va jouer le jeu. On verra où ça mène. Let's go pour la suite. Je vais pas patauger là-dedans. Peut-être qu'il y a un autre moyen de traverser... Ok. C'est complexe, hein. Ça, c'est très complexe. Ok, on se la joue The Last of Us, ça me plaît. Très bien. Je sais pas où je vais, les gars. Waouh. Je sais pas où je vais, je sais juste que j'ai gagné pas mal de mun à pas tuer... A pas tuer deux monstres. Allez, l'amplificateur là, s'il vous plaît, ça serait pas mal. On s'était battu aussi pour avoir le sniper, il me semble. Hein. Il y avait une énigme dans... Dans le grenier. Dans ce grenier, en plus. Ok. Très bien. Là, il y avait quelque chose. De mémoire, il y avait quelque chose d'écrit, mais là, il n'y a plus. On est dans... J'ai cru que c'était un mec en train de se former. Ok. Putain, mais c'est pas possible, c'est... En fait, ils veulent vraiment tout nous faire revisiter. Ah, ok, 10. Très bien. On a l'amplificateur. J'ai découvert qu'il était possible de déstabiliser de façon radicale des parties du réseau de Mutami 7 en y introduisant une force perturbatrice pour bloquer les auto-inducteurs par lesquels elle communique. Par exemple, les sclérotes, ces corps durs
de mycélium aggloméré semblable à des noyaux commencent à se décomposer au niveau cellulaire puis se désintégrer lorsqu'ils sont ainsi perturbés. L'esclérode se forme lorsque le mutamycète se développe dans de nouveaux endroits, servant en quelque sorte de point d'ancrage ou d'appui. Ils sont souvent associés à une parcelle d'abîme liquide à travers laquelle la moisissure s'est diffusée. Quand les auto-inducteurs d'un sclérote sont perturbés, celui-ci commence à se désagréger et tout abîme liquide qui lui est relié se désintègre également. Il semblerait que la déstabilisation du sclérote envoie un signal indiquant que l'endroit n'est plus adapté à une colonisation par le mutamycète, déclenchant alors un retrait total. Ok, j'ai compris que la dernière phrase, évidemment, tout est très très compliqué dans cette explication scientifique de choses qui n'existent pas. Allez, on est parti, on save. Et on se régale. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Me concentrer? Ok. Je me sens différente, je crois. Ok. On va voir si ça marche. Ok. Retourne dans la cour. Bon, on va essayer d'esquiver les deux. Les deux zigotos. Concentre-toi. Ok. Très très bien. Là ça devient très mystique. Je rappelle qu'on n'est pas dans la réalité. Très bien. Mais attends, est-ce que ça marche sur les monstres? C'est ça la question que la France se pose. Oh, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai hâte d'essayer ça, mes aïeux. On y va. Quoi? Ok, c'est ok, c'est ok. Dans les souvenirs, c'est ok. Alors attendez. Est-ce qu'on est en troisième personne, je le rappelle? Si je peux pas contourner ça, je dois m'en débarrasser. Ah. Attends. Très très bien. Ça change toute la... Quoi? Je me suis chié dessus, sa mère. Oh, ça a pas l'air de fonctionner. Ok, j'ai encore tiré une balle de trop. Ok, donc ça fonctionne pas sur eux. Je suis un petit peu déçu. Il a fait tellement peur. Wesh, il a toqué à la porte. Ok, donc là, on peut plus remonter là-haut. Très bien. C'est compris, chef. Et exactement comme le Let's Play sur Resident Evil 8, je me baisse à chaque fois sans faire exprès, c'est terrible. Ok, ça en prend. Très bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Peut-être la grosse clé pour avoir le fusil à pompe. Pas du tout. Pas du tout. Hop. Modifier arme. Bien sûr. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est plutôt cool ce qu'ils ont fait en vrai. C'est vraiment sympa. Parce qu'ils ont gardé ce petit côté un petit peu customisation d'armes. Même si c'est pas... Même si c'est pas long et qu'il y aura pas de grosses custos à faire. Ça reste quand même plutôt cool. Et là... J'essaye sur un malentendu. D'accord, ça ne fonctionne pas. C'est un sacré malentendu que nous avons là. Oh! Je me disais bien qu'il y avait quelque chose ici. Ok. Oh la vache. Il y en a de la mune, hein. Il y en a de la munition. Ok, on va attendre un petit peu. Ça, c'est déjà en raccourci ou pas? Ah non, il y a... Attends. Attends. Pourquoi je peux pas mettre les soins en raccourci? Peut-être qu'on a jamais pu, je sais pas.
Oh non. Oh non. Oh, ces coups de stick catastrophiques. Non, c'est pas vrai. Oh non, pas ma peau. Laisse-moi ma peau. Oh. Il est solide. Ils sont solides. Bon, en fait, je pourrais pas y éviter. Utiliser. Très bien. Je pouvais pas les éviter finalement. Je pensais avoir fait le coup du siècle. J'ai juste retardé les problèmes. Ça, on fait. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Fluide chimique, ça me plaît ça, j'aime bien. J'aime bien! Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, j'aime bien! Oh non, les gars, là c'est peut-être un peu abusé là. Oh non! Oh la vache, ils sont tellement durs à faire tomber! Et j'ai pas de couteau! Eh, chiant les gars. Non, vraiment, vous êtes chiant. Là, vous êtes un peu too much. Oh merde, j'ai fait le tour. Un aller simple pour l'enfer. J'aurais pu encore me balader à tourner, mais... Oh, j'aurais dû. Ça y est, je regrette. Mais j'ai pas de cut, en fait. C'est chiant. D'habitude, Resident Evil, tu vois, je mets toujours le petit coup de couteau qui permet de garder une ou deux balles par-ci, par-là. Et là, je ne l'ai pas. Ah, il y a encore une sorcière ici, je l'ai pas vue. On a les trois sorcières, donc. Ok. Ok. Bon, bah alors, attendez. Attendez, parce que là, c'est la merda. C'est pas grave, hein, on va jouer les esquives pour la suite, mais... Attends, là, il n'y a rien, là, je comprends pas. Ça, on avait déjà fait. Là, il y a quoi? C'est verrouillé de l'autre côté. Encore une sorcière. Mais attends, il y en a combien des sorcières? Il y en avait trois normalement. Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas. I'm not compris. Ok. Très bien. Poudre noire, je prends. Ça commence à m'inquiéter tout ça. J'ai plus de fluide. Si je puis me permettre, voilà, j'ose vous le dire. Je suis en panne de fluide. Ok, donc là on a un masque sur les trois. Porte à un œil au fond du sous-sol. Ok. Alors. Il va falloir retrouver le sous-sol, les amis. Hein. Très bien. Masque de bronze, c'est fait. Il y a quelque chose derrière? Un petit indice, quelque chose? C'est bon, je l'ai. Ok. Il y avait une autre porte à un œil à gauche. Là, on a quoi? Ah, d'accord. Là, c'est porte à trois œils. Alors, porte à un œil, ça veut dire que quand on a mis, je pense, le masque, tout ce qui est porte à un œil sera fermé, c'est ça? Mais tant qu'on n'a pas mis le masque, donc il faudra que je revienne là. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est totalement ça. Très bien. Donc, dès qu'on va mettre le premier masque, toutes les portes à un œil pourront s'ouvrir. Dès qu'on va mettre le deuxième masque, toutes les portes
à deux yeux, même si on n'en a pas encore vu deux yeux, pourront survivre. Et après, évidemment, quand on aura mis le troisième masque, vous l'aurez compris, on pourra revenir à la pièce à côté, parce que toutes les portes avec trois yeux pourront s'ouvrir. Ok, je prends. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'en avais besoin. Ok, très bien. On a quoi d'autre par ici? Ok, très bien. Bon, on se casse. Repose-toi. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Y'a rien qui va! Rien de tout ça n'aurait dû arriver. Non. La raison pour laquelle je suis là n'a pas changé. Il me faut ce cristal. Merci. Gentil. Très gentil. Alors, attendez, sous-sol, c'était là-bas. Hein. Oh merde, je me suis déjà perdu. Ouais, sous-sol, c'est à droite. Porte à un œil sous-sol. Bon! Porte à un œil sous-sol. Là, on va pouvoir faire toutes les portes à un œil. Mais avant, on va attaquer ça. J'espère ne pas avoir fait de bêtises. Oh la vache, va y avoir trop de choses là. Bon, on va save. Je vais m'ouvrir tous les accès. Je vais essayer de mémoriser un petit peu où on doit aller. Où est quoi et où, comme on dit. Là, il y a forcément un petit bail là, non? Un petit bail de Dubaï. Allez, fais-moi rêver. Une porte superbe. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y avait quoi dans cette porte? Ça continuait, je crois, dans les souterrains. Ah non, ok, très bien. Ok, Saphir. Merci l'artiste. Fatigué? Moi, ça va, mais toi? C'est pour ça que tes mots s'estompent. Essaie de pas trop forcer, alors. Très bien. Un petit moment de détente que j'ai très grandement apprécié. Ok. Bon. Dès qu'on va mettre le... Oh, attendez. Ok, il n'y a plus rien à faire ici. Et là, je regarde en haut au cas où. On sait jamais s'il y a une sorte d'œil. On va faire le tour en haut. On va aller checker. Et après, on pourra ouvrir toutes les portes avec un œil, sachant que je peux aller là dehors devant le château, retourner peut-être au village, je ne sais pas. Oh putain, attendez. Obtenir la clé à un œil et plan du dressing room. Attendez. Le hall. On monte. Droite. Il y a une clé. Et gauche. D'accord. Droite. Ok, donc c'est dans cet étage-là. On va y aller. Oh là, je tire toujours la balle de trop, j'ai le seum. Je tire toujours la balle de trop. I have a seum. Ok. Eh bien, tu es pleine de surprises, toi. Pardon. Et tu vas te rendre compte que cette brute est belle. Ok. Je suis mort. Merci, papa. Ces choses m'ont poursuivi jusqu'ici, mais où est-elle? La clé à un œil était censée se trouver quelque part par ici. Pourtant, elle n'est pas dans cette pièce. Elle est forcément dans les parages.
Ah. N'y va pas trop faible. Oh, c'est pas cool ça. Derrière la cheminée. Oui, non, mais j'avais saisi, je me souviens. Oh, un frère. Ou un père. Eh, j'ai toujours pas mis le masque, hein. C'est terrible hein, ce qu'on est en train de vivre. Hein. Prends ça. Un autre. De niveau 2. Mes pouvoirs vont être exceptionnels. Non, il y en a plusieurs. Plus forte maintenant. Ok. C'était moi. C'est moi qui ai fait ça. Fallait qu'il se cache derrière le pilier. Hein. Ok. Alors ça, c'est stylé. C'est stylé. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'impression d'être dans un Resident Evil, je vais pas vous mytho, étant donné que finalement, on n'est pas vraiment dans Resident Evil, on est dans des souvenirs d'un Resident Evil. Mais c'est pas mal. Donc j'ai peut-être pouvoir détruire... Ah putain, faut que je me recharge, non? Attendez, c'est très bizarre là, ce qui se passe. Ok. C'est très bizarre. À droite, je sais pas, une boule de virus ou je sais pas ce que c'est. Ah, c'est donc un brin de sauge. Donc j'ai qu'une boule de sauge à droite. Ok. Utiliser. Superbe. J'aurais peut-être pas dû l'utiliser maintenant, j'ai été con encore une fois. Be careful! Je me suis chié dessus, bordel de merde! Oh la vache! Ah! Mais c'est pas vrai! Oh la vache! Non mais c'est pas vrai! Oh là là! Je suis mort? Oh! Encore? Oh non, j'ai plus là. Là j'ai plus la foi. Hein. Là j'ai plus la foi, j'ai plus rien les gars. Hein. Oh mon dieu! C'est dur! Allez, une clé. La clé à un œil. Let's go. Comme vu précédemment, la perturbation des auto-inducteurs dans un réseau de mutamycètes peut avoir des effets déstabilisants sur la moisissure. Ces effets peuvent également être observés chez les êtres constitués de moisissure. Toutefois, la différence de la désintégration cellulaire observée chez les sclérotes, il s'agit plutôt dans ce cas d'un ralentissement spectaculaire des mouvements de la créature allant quasiment jusqu'à la figer. Si d'autres corps se trouvent près de la cible, ces effets de perturbation peuvent s'étendre, mais seulement dans une sphère d'influence très limitée. En gros, c'est ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on a réussi à freeze avec un seul, plusieurs monstres. Mais là, waouh. Moi, je suis pas prêt à ça, moi. Là, ils étaient vraiment nombreux. Hein. Oh non, là, c'était dur. Hein. Ok. Putain, je suis revenu là. Encore. L'histoire se répète chaque putain de jour. Attends, ça, il me faut ça. Ça, mes aïeux, il me le faut. Hein. J'essaye. Ah, c'est qu'une télé, merde. C'était juste... Non, non, je peux pas, je peux pas. Je
J'ai une balle, superbe. Belle ambiance, belle ambiance. Une putain de balle. On va les save. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Finalement, le vendeur, il avait pas l'air si cool que ça. Oh. On va aller save en bas. On va aller save en bas. Ça va être très très bien comme ça. Les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et vous savez quoi? On va en profiter. Les gars, évidemment, on va le mettre ce masque. Ah, ça ne va pas ici. C'est vrai que c'est le masque de 1. Donc je crois que le masque de 1, c'est celui-ci. On va aller mettre le premier masque. Bonne mission de fête. Ça va faire quoi? Ça a juste allumé une lumière. Superbe! N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien! À la prochaine pour de nouvelles aventures, évidemment. Bye bye tout le monde.